Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième vidéo. Ceux qui étaient là en live dimanche, on les fait à la queue leu leu, hein. Je veux dire, on est limite The Late Show. Hein. On fait tous les enregistrements à la queue leu leu. Mais pour ceux qui ont vu ça, bah, en fait, on fait l'enregistrement en live le dimanche à 16h dans lequel on parle des reviews qui sont déjà passées, comme ça faisait des questions, des commentaires. Et on fait l'enregistrement des jeux test de la semaine et on parle des vidéos qui vont venir comme ça. C'est l'intérêt de passer pendant le live à 16h sur GLG Vidéo. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, on va tester des t-shirts Crocodile. Voilà. Je vais vous les faire voir tout de suite. J'aime bien te faire voir, voilà. Deux t-shirts Crocodile, vous allez voir. Alors, celui-là, Nocos me plaisait bien. Et celui-là, il y a quand même marqué, et là, c'est OSTE. Non. Les prix, 5,95€. Voilà. Donc, si tu te demandes, est-ce que ça va être de la merde, ben, sache que ça va coûter 5,80€. Mais en même temps, celui-là valait 6 balles, le Foo Fighter, qui était l'enregistrement d'avant. Et la qualité était pas trop, trop mal. Voilà. Et pour ceux qui sont pendant le live, ils auront droit à un striptease. Parce qu'il faut que je change de t-shirt, tout ça, tout ça. Bon, allez, on part pour le déballage. Tchou, allez, sur ces conneries. Deux t-shirts Crocodile. Tchou, c'est la nouvelle année. Il est fou, il était déjà fou l'année dernière. Alors, on a un là avec marqué Ella, C-O-S-T-E. Hein, voilà, là on se cache pas. Celui-là, j'avais bien aimé, j'ai trouvé rigolo. Avec marqué Nocos, un espèce de crocodile fait en ballon. Mais pas jaune comme un citron. Mais voilà, en Nocos, c'est tout pas mal. Alors, est-ce que pour 6 balles, la qualité. Oh, ça c'est pour tout à l'heure. C'est pour ceux qui regarderont ça sur sur YouTube en différé, vous ça faudra attendre, hein, la prochaine vidéo. Et ceux qui auront vu le live, c'est juste après. 30 balles les chaussures. Pas mal. J'ai pris la taille quoi ? J'ai pris la taille XL pour être sûr parce que il me faisait un peu peur les tailles. C'est pas mal, hein, XL, c'est juste ce qu'il me faut. Écoutez, la qualité est pas si mal que ça. Il est plutôt épais. Est-ce que c'est de la coton ? C'est pas marqué du tout, hein, pour ce prix. Là. Alors ça, vous pouvez les acheter sur AliExpress. Hein. Alors ça doit pas être trop trop légal. Et pas d'étiquette, rien du tout. Hein. Je veux dire, là, les mecs, c'est genre, on s'en bat les couilles. Il n'y a pas d'étiquette, rien. Et celui-là, tu vois, c'est la même usine. C'est la même cochonnerie. Pas du tout. Comment ils savent que c'est un XL ou un rien ? Il n'y a pas un seul... Il n'y a même pas un petit autocollant malheureux, rien. Tu sais, il n'y a même pas un petit repère. Je sais pas comment ils font pour savoir si c'est un L ou un XL. Ou alors, ils l'ont imprimé juste pour moi. C'est possible. Oh, celui-là, il est pas mal, hein. Regarde. Et Louis Vuitton. Non, j'ai rien compris. La chenille. Bon, on va en mettre qu'un. Alors, on va pas mettre le vert, parce que sinon, avec mon fond vert, ça va pas marcher. On va mettre celui-là. Il est le putain. Fâche. Bon, on va mettre celui-là. Et puis, en théorie, la coupe est exactement la même. Je pense que c'est un peu comme on avait vu avec la marque Cool Mind. À mon avis, ils les impriment sur demande. Ils en font un peu, comme ça. Après, c'est que du t-shirt avec un logo blanc. Mais j'aime bien. Allez, on part pour l'essayage et le striptease. Le striptease. Voilà, comment bien commencer l'année. Bon, allez, à tout à l'heure. Ah ouais, non, il est pas mal du tout, même. Attention, 1, 2, le voilà. Eh ben écoute, il est pas mal. Il est pas mal du tout, en fait. Fais voir, regarde. Je vais voir le dos. Moi, je me vois pas, hein, évidemment. Il est pas mal du tout. Écoute, la qualité est bien. Ça va. Je sais pas si c'est du coton. C'est du coton, c'est pas du coton premium. Dit-il. Et si je mets celui-là, alors du coup, avec le logo vert. Voilà, avec le logo vert. Logo vert, fond vert. On voit pas le crocodile. Voilà. Donc, je vais vous mettre ici, plutôt. Et on va regarder un peu. On va revenir sur la fiche produit. Alors, fiche produit. Moi, j'ai pris. Alors, par exemple, tu prends celui-là, le White Style. Que j'ai acheté en XL. Moi, je crois que j'ai pris XL, hein, pour être sûr, parce que j'avais peur. XL, vous voyez, moi, je taille L, normalement, en t-shirt. Là, j'ai pris XL, je regrette pas. Parce que c'est pile ça. Hein. Donc, voilà. Donc, prenez plutôt une taille au-dessus. 5,95€. Alors, je sais pas si, moi, c'était avant la promo ou après la promo, mais bon, en attendant, ça reste pas cher. Et j'ai pris celui-là aussi en la cote. Encore, non, ça, c'est livraisé en France. Moi, je crois que j'ai dit, ah non, il y a 3,33€ de frais de port. Excusez-moi. Donc ça fait 6 plus 3€, 9. Bah, si tu prends les deux. Et celui-là avec le crocodile que moi je porte, avec la chenille marquée dessus. Voilà. Bon, contrefaction ou pas contrefaction? Bah là, avec du café, tout ça. Bah, il n'est pas sans caféine, celui-là. Bon, là, malheureusement, on est. Alors celui-là, il est un peu rigolo. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent les commander. Disponible en noir aussi, mais encore une fois, moi je ne porte plus de noir.
Non, pas pour les raisons qui te viennent à l'idée tout de suite. C'est que j'habite en Asie, qu'avec le soleil, quand ça tape sur dessus, voilà. Pour peu que ce soit pas de la cotonne, ça a vite tendance à te brûler la peau, voilà. Ça attire la chaleur. Ah non, tu vois, high quality coton. Voilà, donc là, les tailles disent bien XL, nanana, donc ça, c'est bien. Après, les beaux gosses. Alors, j'ai eu peur, après, en regardant l'annonce, où je me suis dit, putain, il y a marqué homme ou femme. Alors, je dis, alors, pour peu qu'il y en ait un des deux, que j'ai pas fait gaffe, que ce soit le modèle femme, et qu'on arrive avec une coupe chelou, eh ben, je l'avais dans le hou, voilà. Donc là, on revient sur les caméras. Celui-là est très rigolo, avec le crocodile, j'aime beaucoup. 10 balles, bon, 5,95€ pour vous, plus 3,33€ de frais de port, ça fait 6, ça fait 9,80€, ouais, ça fait moins de 10 balles. Moins de 10 balles, écoute, la qualité est pas mal, ils sont pas trop fins, on voit pas à travers. Ce qui est une bonne nouvelle. La qualité est plutôt intéressante. Après, bon, bah voilà, celui-là, forcément, est-ce qu'on est dans le café contrefaction Oui. Oui, en théorie, ils n'ont pas le droit d'écrire ça dessus. Mais bon, là, on est. Faut quand même avouer qu'ils n'ont pas repris le logo et qu'ils ont juste écrit comme ça. Donc, à mon avis, en douane, ça passe parce que même le L, en fait, toi, c'est souvent comme. C'est comme les fausses nailles sur lesquelles ils mettent une virgule, mais ils mettent un petit triangle en haut, tu vois, que tu peux découper toi. Mais là, c'est vraiment difficile de dire non, mais on voit bien que c'est marqué non. On voit pas bien, on laisse entendre, à partir du moment où le logo il ressemble à rien, ça peut passer en douane, donc c'est pas à considérer comme de la contrefaçon. Celui-là non plus, en même temps, il n'est pas marqué la chenille, il y a marqué, voilà, c'est un crocodile vert. Mais celui-là, j'ai trouvé très rigolo. Bon ben voilà, pour 20 balles les deux, après si vous prenez les deux, frais de port, machin et tout, vous me direz un peu ce que vous avez. Moi, je les trouve sympathiques, voilà, pas exceptionnels encore une fois, mais sympathiques. Vous me direz ça en commentaire, ce que pensez de ces shorts-là. Prenez une taille au-dessus, je dis, moi, normalement, je taille L. L'autre, vous voyez, c'était un L, et il allait bien. Là, on est plutôt sur du XL, et on taille comme un L, un petit peu plus que le L, mais voilà, on prenait plutôt une taille au-dessus. J'aime beaucoup, voilà, vous me direz ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, encore une fois. Je n'encourage pas à acheter du faux, mais là, c'est de la parodie, c'est de l'hommage, c'est pour rigoler, tu vois, donc ça va, et c'est disponible sur AliExpress. Si jamais le lien dégageait, vous mettez un commentaire en disant ah, le lien a dégagé parce que suffit que voilà, ils se fassent ils peuvent disparaître. Je vous mettrai un autre lien pour ce genre de produit là et tout, mais je suis assez content. Voilà, je sais bien. Et je sais que la bannière a été très putaclic, parce que vous êtes déjà 27 à regarder ça pendant le live. Et voilà, je sais que ça peut intéresser pas mal de personnes, encore une fois, pour faire plaisir, petit t-shirt pour le boulot et tout comme ça. Moi j'aime bien. Vous me direz ça en commentaire et on se retrouve pour l'autre émission où. Voilà, chinois de chinois. Avouez la taille de la boîte, c'est chinois de pas cher. Mais il y a des endroits où on peut les commander et ça arrive. On en parlera dans la prochaine vidéo. Je reprends le live, l'enregistrement. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral. Surtout, restez ouverts. Moi, je vous kiffe. Je continue le live et puis pour les autres, ça sera coupé. Et si vous voulez pas attendre, vous pouvez regarder le live encore à partir de le live de dimanche. Normalement, le timer doit être bon.